Gazou, on se retrouve pour la troisième partie de l'exploration de Hob, ce jeu assez fascinant vu la composition de son univers. Par rapport au second stream qui a précédé, j'ai avancé un petit chouïa pour trouver un checkpoint et puis comme tout le monde, je me suis fait avoir en faisant Eh, mais il y a quoi là juste après? Après, j'arrête. Eh, mais il y a quoi juste après là? Et j'arrête. Donc grosso merdo, je vous ai non streamé environ 10 minutes de jeu. En fait, c'est juste l'entrée d'un donjon qui m'a l'air assez massif, avec des systèmes activés. Donc, on va le voir tout de suite. Ici, il y avait un truc à récupérer là, en évitant des barrières laser. Cette chose à activer, une capsule d'énergie à récupérer. Et c'est là que ça va devenir tendu, et que je vais peut-être le refaire plusieurs fois. Eh ben, un chronométrage, je vous fais voir d'abord. Petit chronométrage qui est que. Bim! Et ça, faut le piger, c'est pas évident à la lecture. Cette colonne droite descend. Et on se dit, je vais sauter dessus, machin, tout ça. Donc on tourne en rond comme un abruti pour essayer de la choper alors que c'est totalement impossible. La seule chose qui est intéressante à faire, c'est en fait de rusher et revenir de l'autre côté, monter une échelle et vite activer une autre passerelle dématérialisée du même genre pour atterrir sur celle de ma gauche ici, là, qui clignote tout lentement. Donc ça veut dire que j'ai tout le temps de la remonter, enfin j'ai seulement le temps de la remonter, pour passer sur les petits chariots là, qui font des allers-retours, remonter cette damnée échelle et espérer passer au-dessus de celle qui est allumée, pour atteindre celle qui est éteinte actuellement. Je pense que j'étais à peu près clair. De toute façon, vous allez voir, je pense pas que je vais réussir du premier coup. Allez, action. Déjà, faut que je la fasse descendre au bon moment, ce serait intelligent. Magne. Magne Charles. Tu peux le faire, tu peux le faire. Yes. Fou. Je rappelle qu'il y a un petit concours en cours pour retrouver ce qu'est ma notification audio sur le téléphone comme jeu. Apparemment, les joueurs du dimanche sont nombreux en Ingress et c'est juste, comment dire, pathétique. Oui, c'est le mot pathétique. Ah là 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 là. Désolé pour le petit contretemps. De toute manière, d'ici très 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 peu de temps, je vais rebasculer le stream sans mon audio, parce que c'est parfaitement inintéressant, tout ce que j'avais à dire sur le jeu, je l'ai déjà exprimé. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour vous d'avoir une version qui soit le jeu tel qu'il est. On n'a pas trop besoin de mes commentaires. Je règle juste un petit problème à coup de Power Cube dans la gueule de pauvres Enlightened qui apparemment ont toujours ce problème de rechercher leur cerveau. Je leur souhaite bon courage parce que je crois que la malcompréhension chez eux c'est un état permanent. Et je vais me couper l'audio et vous faire continuer l'exploration avec moi. Donc là c'est normal, vous ne m'entendez plus. Yeah.
Hop, je profite du petit mode balade, parce qu'apparemment je me suis bourré de chemin. Alors ce chemin n'est pas accessible directement. Ah. Bah non, il n'y a pas de mode balade. Donc en fait, j'ai pas trouvé où faut passer. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, du coup, je vais vous tenir un peu la grappe hein, pendant ce grand moment de solitude qui m'attend. Car j'ai pas trouvé d'issue sur cette partie du chemin. Et je pense pas que ces ronces soient assez sympathiques pour me laisser passer. C'est ça. En général, quand on se fait baffer par des ronces, on s'en va. Alors c'est dommage, parce que moi je voulais revenir en arrière et essayer l'espèce de passerelle dématérialisée que je n'avais pas encore essayé, mais j'ai pas moyen de revenir en arrière. Donc je suis un peu concon, un peu dada, un peu condamné à trouver un passage qui n'est pas évident à déceler. Marchera pas. Alors ici, il doit bien y avoir un passage. Petit coquin, va. Non, tu casses pas la gueule, s'il te plaît, merci. Eh ben, c'était tordu. Je vais me couper le son pour la peine, tiens.
Thank you.
Et oui, fatalement, il fallait bien qu'il y en ait un, le passage bullet time. Je me remets en mode audio parce que au moins vous allez m'entendre rager un peu. Ça sera plus rigolo. Il n'y a rien de plus chiant de savoir ce qu'il faut faire mais pas arriver à le faire. Surtout ce système de téléport est un peu merdique. Parce que je sais pas si vous avez observé, il m'a quand même fait ripper sur le dernier saut. Parce qu'il y a un problème de profondeur de champ. Oh putain. Donc en fait, il faut surtout pas toucher les directions, sauf pour se mettre dans la bonne orientation, mais surtout pas avancer. Sinon, c'est ripé. Oh purée, non mais. Where is Marcus? Where is Marcus? Where is Marcus? Oh, c'est gentil de vouloir presque fonctionner. Ouh, c'était tendu ça. J'ai un doute pour la suite. Mais bon. Vous allez pouvoir rigoler quand même. Moi aussi, je rigole mine de rien en fait. Mais ça m'énerve. Dada. Oh mon Dieu, tu n'étais pas dans l'axe ni assez près. On y croit. Je fais pas exprès, je vous garantis. C'est juste, il y a un petit souci quand même pour se mettre sur la bonne orientation sur l'axe, quoi. Voilà. Where is Marcus? Where is Marcus? Where is Marcus? Je crois que je vais arrêter le stream sur ce passage merdique, parce que si ça doit monter très haut, ça va être pénible pour tout le monde, surtout vous, je pense. Parce que moi, répéter comme ça va, j'ai tout mon dimanche. Mais sur un stream, ça fait très très laid, quoi. Genre, oui, alors, j'étais en train de speedrun le jeu quand soudainement. Connard. À combien de temps on en est sur la durée? 53 minutes. Ouais, je vais vous faire encore rigoler un peu. Je fais deux tentatives, si ça veut pas, ça voudra pas. On fera une partie suivante une fois que j'aurai passé la tour du calvaire. Non, mais sérieux. En fait, faut être pressé lentement, je crois. Ça doit tenir à ça. Moi, je suis un petit peu trop stressos, là, je crois. Et les stressos, tout le monde sait qu'ils viennent de Sanpukai. Oh purée, allez, le dernier pour la route et basta tout. Je veux quand même pas vous infliger ce monumental. Cette série de fails qui sent mauvais. Allez, finito. Je suis désolé, je suis totalement désolé. On va se trouver un petit coin joli quand même pour finir le stream. Parce que, comme vous avez pu le voir, c'est quand même bien sympa, hein. Un univers qui est vraiment très plaisant à parcourir. Avec son propre design et toute cette géographie si particulière, c'est vraiment très appréciable. J'ai pas un petit coin carte postale un peu quelque part. Oh Boudou, regardez-moi ça. Tiens, j'ai pas réussi à accéder là-haut. Ça doit être une fois qu'on a fait le tour, je pense. Mais c'est con parce que si je cassais ça, bah, ça me ferait l'échelle. Yippee-ki-yay. Coin carte postale. Où c'est que je vais me mettre? C'est où les piafs? Bah, il n'y en a pas particulièrement. Bah, on va rester là-dessus, c'est mignon. Bon, merci d'avoir suivi le stream. On se retrouve pour une quatrième partie après la tour infernale du cassage de gueule à répétition. Je vous dirai combien de fois j'ai essayé pour que vous puissiez quand même rigoler à plein poumon. Concernant le jeu, mon avis est toujours très très positif. Même si ça manque de baston et qu'il n'y a pas de petit boss apparemment, c'est un peu dommage. Un peu plus de soutien dans l'action, ça aurait pas trop fait de mal, je pense. Mais bon, on va voir combien de temps ça dure, jusqu'où ça va s'étendre. Pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps et je regrette pas mon investissement. On se retrouve, je sais pas quand, mais bientôt, hein, vous avez qu'à suivre la numérotation des streams concernant Hub. Merci, à bientôt.